j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. On se retrouve dans la vidéo sur Wars, sur MW2, sur Manette Battletron. C'est la troisième fois que je tourne la vidéo, mais la troisième fois que je tourne pas sur le même jeu. Alors de base c'était une vidéo sur Fortnite pour tester les palettes, mais sauf que j'ai pas réussi à les config sur Fortnite. Désolé, je mange, j'ai faim. Alors du coup je suis parti sur Call of Duty pour voir ce que ça donne. Précisément sur Call of Duty MW2 qui est gratuit, comme je le rappelle, du 16 au 20. Localisation du nouveau point stratégique en cours. Point stratégique. Nouvelle zone cible. Rejoignez le point stratégique. Je couvre tes arrières. Je vous l'avais vu. Ah l'enfoiré. Ah mais ah gros j'en ai marre. Surveille tes arrières. Drone ennemi au-dessus. L'ennemi est à mi-chemin. Voilà, je joue avec les palettes. Et non les boutons L2 R2. Bon j'arriverai pas. J'arriverai pas en fait. Les palettes sont pas faites pour moi. Ok, premier kill avec les palettes. Ok, nice. Non. Il y a un mec là. Quoi? Attends, comment il m'a vu? Comment il m'a vu? Je veux voir comment il m'a vu. Ah ouais. Alors je suis plus fort que la souris, hein. Je suis plus fort que la souris, hein. J'ai réussi à faire des trucs de malade mentaux sur clavier souris, alors que sur manette je suis clairement nul. Oh, ces ennemis qui sont trop forts. Tout ça c'est parce que je suis manette. Je ne l'ai pas vu. Je veux seulement faire mon petit kill au sniper moi. Non, alors là c'est de la triche. Je rigole quand ils disent que quand je dis qu'ils trichent. Hein. Ok, on l'a vu, vous l'avez vu. Ok, c'est bon. J'ai vu mon premier kill snipe avec les palettes, c'est super. Alors comment j'ai fait pour passer aussi de manette à clavier? C'est très simple, je vous montrerai après. Ok. Ils sont déjà sur place. L'ennemi est sur le point stratégique. Cible à terre, je suis en train de recharger. Attends, mais il y a un mec qui me tirait dessus là. Ah, on pense à lui. Derrière. Ah merde, bon c'est pas grave. Alors.
Je? Bah, what? Hein? L'enfoiré, il a allongé. Les gens qui s'allongent, c'est des enfoirés. Les gens qui s'allongent tout court, c'est des enfoirés sur tous les jeux. Ok, y'a un mec. Alors, ok. Drone hostile dans la zone. Bon, je pense que ça a déjà comment on fait pour passer de clavier à manette. Bon, pour ceux qui savent pas, je vais vous montrer en même temps. Bon, non, je voulais pas tuer lui, je savais pas qu'il était là. Alors, je suis désolé si vous entendez un play. Ce n'est pas de ma faute. Alors lui je l'ai pas vu. Il était où? Ah ouais. Drone hostile dans la zone. Je me suis pris une balle. En vrai c'est un peu la... c'est un peu humiliant. Le mec que je tue avec les palettes c'est humiliant pour moi. Plus qu'une minute. Ok. On est. Je me fais tirer dessus. Ah ouais, ça campe. Ça campe, ça campe, hein. Regarde, attends ça. Ah ouais, non, ma sensi, elle est manette, elle est trop basse, ma sensi manette. Je suis sûr que je joue sur Black Ops 4. Ok, nice. Dégage. Ah, je suis mort. Non, la chance qu'il a par contre. L'ennemi est sur le point stratégique. Plus que 30 secondes. On a perdu, hein. Je lance une grenade. Ah ouais, mais gros, ils sont tous à côté de moi. Aberrant. Ok. Oh, oh, on s'est fait manger. Donc les gars, la manette c'est comme une PS5. Regardez, c'est une Battletron. J'en ai beaucoup entendu parler sur TikTok, donc du coup je vais l'acheter. À coûte simplement 19,99. C'est vraiment super efficace. Donc si vous savez configurer des palettes, bon, si vous avez configuré des palettes, ça sera efficace pour vous. Vous aurez une manette à 20€ avec palette qui marche. Donc les gars, je vais vous montrer du coup. Comment on fait pour passer de manette à clavier. Déjà il faut aller ici dans les paramètres, clavier souris, la périphérie d'entrée de visée, vous mettez souris et là vous pouvez passer clavier souris. Donc moi je repasse clavier souris. Voilà, du coup j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez et ciao ciao.